Coucou les filles, donc on se retrouve, on est mercredi, on est prêt, maquillé n'importe comment d'ailleurs, je vais retoucher vite fait. Bref, j'ai mis des faux ongles de chez Primark que j'avais acheté il y a un petit moment, gris et effet marbre en nail art. Et donc là on va aller à Marseille, on va se promener au Grand Littoral et ensuite ce soir on va voir le match l'OM Strasbourg et en place VIP grâce à un cousin. Et à Rudy Garcia, etc. Si vous connaissez Rudy Garcia, c'est l'entraîneur de l'OM. Donc on est hyper content. Mathias encore plus, parce que vous savez qu'il adore l'OM. Donc on est trop pressé de voir ce que ça donne en VIP. On verra ça ce soir. On a hâte. Du coup, on s'est habillé vite fait, mais on a pris des vêtements un peu plus sympas pour le match de ce soir. Mathias a pris son t-shirt de l'OM et moi j'ai repris ma petite robe noire que vous avez déjà vue dans ces vlogs là. Donc on a hâte. On se retrouve maintenant au Grand Littoral. Avant, on passe sur la Ciotat pour faire le plein de gasoil et c'est parti pour une journée plutôt sympa. Petit repas au tacos, encore de la bouffe dégueulasse. Mais nous, on adore ça. Et on était faire un tour à Primark. Donc, comme on a été faire un petit tour à Primark, bien sûr, je suis pas sûre que ce sera dans ce vlog-là, même si c'est sûr et certain. Mais au pire, je pense que je vous ferai une vidéo haul. Et comme ça, on enlèvera un vlog de la semaine où nous, on arrêtera de vlogger pendant une journée. Donc, je pense que je ferai comme ça. De toute façon, vous verrez bien au fur et à mesure des vidéos. Donc on mange et après on voudra aller vite fait dans le Carrefour pour voir un truc pour Matt. Et après je pense qu'on va se diriger tranquillement vers le stade. A tout à l'heure. Donc si vous nous connaissez bien et si vous voyez un peu, on a été chercher notre Starbucks. Que ce soit Londres, Marseille, Paris, on prend toujours des Starbucks, on adore ça. Moi j'ai pris un latte macchiato caramel et Matt il a pris un cappuccino au lait d'amande. On vous dira si c'était bon au lait d'amande. A tout à l'heure. Donc on est au stade. Et en fait, je ne sais plus trop si je vous en ai parlé, mais dans ma famille, il y a quelqu'un qui connaît très très bien Rudy Garcia. Et du coup, on a des places prestige. Donc normalement, on va être avec les familles et les joueurs qui ne jouent pas. Ça va être un truc de ouf. Du coup, c'est pour ça qu'on s'habille un petit peu potablement. Il faudrait juste que je remette du rouge à lèvres, mais je vais en mettre après. Mais on est tellement contents, vous ne pouvez pas vous imaginer. Enfin, vous ne pouvez pas comprendre si vous n'aimez pas le foot et vous êtes encore moins pour Marseille. Mais nous, on aime tellement cette ville et tellement ce club. On est trop, trop contents. Donc, si je peux, je vais vous filmer un petit peu sans vous faire voir réellement s'il y a vraiment des stars ou pas. Si je peux, on fera. Mais sinon, vous comprendrez que s'ils veulent pas, bah voilà, c'est comme ça, quoi. Mais on pense qu'il va y avoir une très très bonne ambiance. En fait, là vous voyez, il y a le Prado, c'est le nouveau centre commercial. Et juste à côté, donc bah, il y a le Vélodrome. Mais avec le soleil, je suis désolée, vous ne voyez pas. Mais je vais essayer de vous faire des photos ou du moins de vous filmer un maximum. J'espère en tout cas, si j'ai pas pu vous le mettre dans le vlog, que vous me suivez sur Instagram. Je vais essayer de mettre un truc sur Instagram, vraiment si vous voulez suivre un peu l'envers du décor. Mais on a hâte de voir comment ça va être. Allez. Thank you.
Bon, le match est terminé, mais on est tellement fanatiques. On est teubés. On est les seuls devant la commanderie. Et en fait, je sais plus, l'année dernière, j'ai dû vous le filmer. C'est le grand centre d'entraînement. Mais on a l'air faim parce qu'on est les seuls. Attends, pff, j'ai une tête, mon maquillage ressemble plus à rien. Mais bon, on s'en fiche, vous avez l'habitude déjà de me voir sans. Donc c'est trop cool de me voir avec. Bref. Donc bref, on est les seuls à attendre le bus en espérant le voir, le bus. Parce qu'on a l'air vraiment faim à deux à attendre. Ça fait vraiment les fanatiques quand même. Bref. En tout cas, c'était vraiment un match vraiment cool. En plus, ils ont gagné, donc que vous dire. Mais on était vraiment dans les loges, en fait. Donc, on a eu droit au petit four, sucré, salé. Vous connaissez la gourmandise de Bérénice. C'était délicieux. On avait le droit de boire ce qu'on voulait. C'était trop bien. Bref, c'était vraiment un très, très chouette moment. Et du coup, on a hâte de revoir le prochain. C'est Marseille-Caen. Donc pour ceux qui sont en Normandie, je suis désolée, mais nous on n'est pas du tout pour Caen, hein. On est pour Marseille. Mais c'était une chouette soirée. On vous reprendra maintenant au camping parce qu'on va boire un café avant de se coucher, etc. Mais pour clôturer, je vous reprendrai tout à l'heure là-bas. Peut-être que vous verrez le bus, peut-être, peut-être, si vous êtes. Donc nous voilà rentrés, vous avez vu, vous n'avez pas vu de bus. Puisqu'on est arrivé et que tout le monde était déjà à peu près reparti, on a juste vu Samson, Morgan Samson. C'est tout ce qu'on a pu voir dans sa belle voiture. Voilà ce qu'on a pu voir. Après, on est rentré. Là, on a bu un petit coup. Et moi, je vais me coucher. Je suis naze. Demain matin, moi, normalement, je vais sur Toulon toute seule. Et Mathias, il veut aller faire une promenade à pied. Donc, il ira. Et moi, il faut que j'aille à Toulon demain matin. Et demain après-midi, on refera des courses parce que bah, ça y est, ça fait 10 jours qu'on est arrivé. Et le plein de courses qu'on vous a fait voir il y a 10 jours, il est déjà mangé. Donc, je vous referai certainement demain un retour de course. Et vous aurez demain dans le vlog le haul Primark. Je me suis dit, je vous le mettrai dans le vlog de demain. Là, il fait nuit, ça ne va pas être intéressant pour vous. Et la lumière à l'intérieur est jaune, donc ça va... Enfin, ça va pas être sympa, quoi. Donc, je préfère vous faire tout ça demain. J'espère que ça vous plaira, le vlog de demain. J'espère que ce vlog vous aura plu. Pour les fans de foot ou pas, je suis désolée pour ceux qui détestent le foot. Mais ça aurait été vraiment une journée spéciale. On a adoré cette journée. Je pense qu'on va garder de très, 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 très bons souvenirs. Avec plein de photos et plein de souvenirs en tête. Et en plus, les vidéos vlogs, sincèrement, je les fais pour vous. Mais je les fais aussi pour nous. Puisque ça nous fait de très jolis souvenirs de vacances... ici, et on a plein d'autres photos que je mets pas sur Instagram ou que je mets pas dans les vlogs parce qu'on les garde tout simplement pour nous. En tout cas, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous les filles.